La Crealitik A1 est une imprimante 3D excellente, mais qui a quelques soucis récurrents. Et un problème qui m'est survenu après quelques impressions seulement, c'est l'apparition d'une erreur causée par le corps de chauffe qui n'arrivait plus à stabiliser la température correctement et finalement faisait apparaître cette erreur. J'ai dû donc upgrader l'imprimante en remplaçant la buse et son corps de chauffe. Des kits tout simples à mettre en œuvre sont vendus par Creality, fournis ou non avec des buses de rechange, à vous de voir quel kit vous prenez. On peut voir aussi que le corps de chauffe bimétal est de bien meilleure qualité que celui d'origine et le silicone aussi par la même occasion. Pour démonter, il n'y a pas beaucoup de manip à faire, tout est très accessible, le cache à enlever, quelques vis sur les côtés et derrière. Deux branchements pour les connecteurs à enlever, qu'il faudra bien sûr reconnecter. Pensez à travailler donc sans que la machine soit sous tension. Et simplement en remplaçant cette pièce, la machine a pu de nouveau imprimer correctement, sans message d'erreur, lié aux températures. Si vous rencontrez ce genre de soucis, cela peut être la solution à vos problèmes.